De retour sur la chaîne L'Équipe, Vincent Louis et l'équipe de France sont en train de tenter quelque chose sur ce triathlon de Hambourg. C'est la cinquième manche des championnats du monde. Vincent Louis est en pleine préparation. On ne va pas tarder à partir. On est en direct, toujours avec des Français donc qui vont défendre leur chance. Et voilà ce parcours. Allez, on va le décrire à nouveau, même si vous étiez avec nous sûrement pour les filles tout à l'heure. Allez-y Tony, c'est à vous. Oui, c'est effectivement, c'est le même parcours que les filles, donc 750 mètres de natation enchaînés par 4 boucles de vélo pour constituer 21 km, donc une partie très roulante constituée de deux grands bouts droits et une partie plus technique là dans le centre-ville de Hambourg, et pour finir 5 km de course à pied avec deux boucles de 2,5 km qui empruntent d'ailleurs le parcours vélo. Ça c'est pour le parcours, donc avec une petite particularité, on est à 21 km et pas 20 de vélo, mais ça c'est juste la boucle qui fait ça. La start list là aussi, il y a une particularité et pas des moindres, l'absence des frères Brownlee. Ils ne sont pas là, du coup la course est plus ouverte, du coup on va surveiller Mario Mola, évidemment on va surveiller Richard Meuret aussi, Gomez Alarza, ça c'est certain, et les Français également. Ouais, ouais. Alors on a les trois, on a le trio espagnol qui est omniprésent depuis deux ans, et puis on a cinq Français aujourd'hui avec Vincent Louis, Dorian Coninx, Pierre Lecor, Raphaël Montoya et Léo Bergère. Allez, on est sur ce ponton. Donc Javier Gomez, que le dossard numéro 3, a été un des premiers à rentrer sur le ponton, donc le troisième, et a pu choisir sa place. Cinq fois champion du monde, voilà. La dernière fois donc, c'était en 2015. Gros client. Voilà. Donc il a choisi de se positionner sur la droite. Cette concentration. Parce que là, on va partir pour une épreuve de sprint. Très intense. Première bouée à 250 mètres. Un ponton qui est assez haut. 1,50 m à sauter. Il va falloir soigner le plongeon. Les drapeaux sont levés. Dire que le starter peut être déclenché à tout moment après le On Your Mark. C'est parti. Et voilà, maintenant il faut absolument prendre la tête si on veut pouvoir résister, si on veut pouvoir sortir dans de bonnes conditions pour l'épreuve cycliste qui s'annonce ensuite. On le rappelle qu'il y a 0,75 km à parcourir. J'aime bien ce zéro parce que ça montre bien à quel point c'est rapide et intense. Ouais, ouais, ouais. 8 minutes d'effort pour les garçons. Hein. Donc une belle largeur de ponton qui va se rétrécir à l'abord de la bouée. Mais pour l'heure, il s'agit d'effectuer un premier 100 mètres le plus rapide possible. Il ne faut pas rentrer non plus dans une phase lactique, hein, sinon on va avoir les bras complètement coupés. Ça c'est un travail spécifique qu'il faut effectuer en entraînement. Faire des séances lactiques. Alors on voit la technique assez spéciale du triathlète, surtout qu'on nage avec une combinaison. On voit que le nageur là, il a un retour de bras gauche qui est très rapide avec la tête très relevée. Mais bon, il faut prendre des informations devant. Allez, il y a plusieurs lignes qui se sont dessinées, Tony, mais surtout trois concurrents qui sont en train d'être en tête. On rappelle qu'il y a les bouées à passer et qu'évidemment ce passage va être très important, notamment au niveau de la position. Juste un mot pour nous rejoindre, pour pouvoir communiquer avec Tony et lui poser toutes vos questions. Le hashtag l'équipe triathlon via Twitter. N'hésitez pas. Il est là. Il est prêt à vous répondre. Alors le voilà, le leader, celui qui a pris la tête pour le moment. L'Autrichien Hauser. Mathieu, très jeune Autrichien. Australien, très jeune Australien. Ouais. Né en 98. Ah oui, oui. Ouais, c'est la nouvelle vague des triathlètes de l'hémisphère sud. Alors en parlant de vague, Tony, parce que vous me lancez des perches, je viens répondre, on est dans un lac. Donc ça veut dire qu'on nage aussi forcément différemment de ce qu'on peut connaître. Quelles sont les différences, notamment quand on est par exemple dans un petit bras de mer ou autre, et puis là dans un lac, dans un lieu totalement fermé? Oui, bah là il n'y a pas de courant, et puis il n'y a pas de vague. Alors qu'en mer, forcément, il y a des vagues et il faut raccourcir son... un peu comme en course à pied, il faut raccourcir la foulée lorsque ça monte. Et ben, lorsqu'il y a des vagues, il faut raccourcir son cycle de bras pour prendre des appuis plus rapidement. Là, le nageur en lac, le vrai nageur, il peut vraiment se faire plaisir à bien poser sa technique de nage.
Un petit clin d'œil sur les championnats du monde d'eau libre qui ont lieu aujourd'hui. Marc-Olivier Antoine est champion du monde du 5 km. Donc là, ça fait partie de la Fédération française de natation qui est complètement indépendante, forcément, a rien à voir avec le triathlon, qui est un sport olympique également. Marc-Olivier Antoine qui était médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Rio, donc a confirmé aujourd'hui en étant champion du monde du 5 km. Donc la nage en eau libre et le triathlon ont les mêmes problématiques, il faut passer des bouées, il faut prendre des informations devant, lever la tête. Et il y a de la castagne également, il y a de la castagne derrière, vous voyez, c'est beaucoup plus dense que chez les filles. Et là, il y a des mains qui se posent sur les épaules, ça tire les bras. Ouh là là, on se prend la bouée même. C'est très compliqué, ouais, c'est vraiment la foire d'empoigne, ce qu'on appelle la machine à laver. Il faut faire, regardez un peu comment ça se nage dessus là. Et là d'ailleurs, on perd les repères, regardez, on est en train de passer peut-être sur la gauche au niveau des bouées. Il faut revenir, bien lever la tête et voir que la bouée est à sa gauche et revenir faire un détour. Ah, c'est clairement la partie la plus stressante de ce sport. Lorsqu'on a 60 garçons qui ont à peu près le même niveau et qu'il faut les faire passer 3 minutes après le départ sur un entonnoir, c'est vraiment... c'est pas humain, quoi, parce que... Enfin, personnellement, ça m'est déjà arrivé de rester une dizaine de secondes sous l'eau. Regardez, on va le revoir là, justement. Ouais, on voit bien qu'il y a des garçons qui ont bien plongé sous l'eau. Et on voit des regardez, il y en a un qui est carrément sous la bouée, là, au niveau à gauche. Ah, mais c'est terrible. Et qui a du mal à récupérer. Imaginez qu'une corde l'empêche de remonter, c'est la catastrophe. Ouais, je disais, il suffit qu'une main se pose sur l'épaule et qu'on se fasse couler, et au moment où on veut reprendre surface, et qu'une autre main nous appuie dessus, parce que c'est un flux continu de nageurs qui nous posent dessus, et ça peut être très dangereux. Par contre, devant, il n'y a aucun souci, quoi. Il peut faire vraiment ça. Il peut faire sa ligne, il peut faire sa nage, il peut nager tranquillement, et lui, il n'a aucune perte de temps, quoi. Alors. Hauser qui a créé un sacré écart, là, regardez Zoni. À noter l'absence d'Aurélien Raphaël, qui est notre Français, là, qui est un des meilleurs nageurs du circuit et qui, lui, a l'habitude de passer la première bouée systématiquement en tête. Et en tout cas, Hauser, effectivement, qui produit un bel effort. Schomburg qui s'accroche derrière, mais c'est vrai que là, il y a déjà un bel écart. Ouais. Jonas Schomburg, qui est allemand d'origine, mais qui a demandé la naturalisation turque, donc là, qui court sous la bannière ITU, donc c'est une petite... C'est la bannière de la Fédé, en fait, internationale. Ouais, la Fédération internationale, voilà. C'est une transition. Pendant 2 ans. Voilà. Donc, chez les nageurs, il va falloir surveiller Vincent Louis. On le cherche, Vincent. Quatrième des derniers championnats d'Europe sprint. Pierre Lecor, le vice-champion d'Europe sprint sur la même course. Qui est sorti deuxième de la course de Leeds, donc il reste sur des très très bonnes prestations en natation. Oui, tout ça c'est très récent. Ouais. Dorian Coninx, qui est nageur à la base, lui a raté ses dernières natations. On l'a vu à Valence sortir au-delà de la 20e place, donc on attend de voir comment il va s'en sortir aujourd'hui. Son partenaire d'entraînement, Léo Bergère, ils s'entraînent tous les deux à Grenoble. Ils ne font pas partie du même club, mais voilà, ils se serrent les coudes au quotidien. Et Léo Bergère est censé être moins bon nageur, mais est impressionnant en vélo. Donc sur un parcours où il faut allier la technicité et la puissance, on a hâte de voir également ce qu'il va donner. Et quant à Raphaël Montoya, qui est également vice-champion d'Europe, mais sur la distance M, donc sur le court distance, il est à peu près du même niveau que Dorian. Donc on a clairement de très très bonnes chances de voir des Français sortir dans les 10 premiers. En tout cas, Hauser est impressionnant. Et là, on va rappeler qu'il a 19 ans parce que ça va rendre encore plus impressionnant ce qu'il est en train de faire. Regardez l'écart qu'il est en train de creuser sur Schomburg et Bert Schweissler. Ouais, mais l'autre Australien, Bert Whistle, je le prononce bien. Hein. Je le prononce beaucoup meilleur mieux. Accent, moi. Jacob. Oh, vous m'avez... Boum. Vous voyez ta clé, là. Jacob Bert Whistle est également une grosse cote, puisque l'année dernière, il avait joué les accessites sur cette épreuve d'Hambourg. Et c'est un des rares à avoir battu Mario Mola cette année. C'était sur la Super League, un nouveau circuit triathlon qui avait lieu en début d'année. Et sur 5 km, il est vraiment très très impressionnant. Et là, le voir aux avant-postes de la natation, ça risque d'être de bon augure pour le jeune Australien. Mario Mola, pour vous resituer, c'est quand même le champion du monde, justement, sortant, qui s'était en plus imposé à Hambourg l'année dernière. Voilà, le tenant du titre, Mario Mola.
qui va devoir vraisemblablement combler un déficit à la sortie de l'eau. C'est assez fréquent pour lui. Et là on arrive sur le dernier, sur le canal. Surtout on a passé le tunnel, Tony. Voilà, ouais. Ce tunnel où on ne voit rien. Et là on voit qu'il n'a pas vraiment. Il perd peut-être un tout petit peu de temps, mais quasiment rien. Regardez la densité derrière. Regardez la densité derrière. Oh là là, c'est impressionnant. Et dans ce tunnel, ça a dû être quelque chose quand même. Une question du triathlète Loulou. Bonjour, quelle est l'épaisseur de la combinaison de natation? Y a-t-il une norme? Bonjour Loulou. Je pense pas qu'il y ait une norme. Après, plus la combinaison sera épaisse, moins elle sera maniable, moins elle sera confortable, plus elle sera fine. Donc on parle de 2 mm sur les manches, plus ça sera. Faut que ça soit une seconde peau en fait, donc faut que ça soit vraiment fin. Oui. La sortie maintenant pour Hauser, ça y est, il est parti. 8:26 maintenant, il va filer, partir, mettre les chaussures qui sont déjà sur le vélo et tenter de garder cet écart qui est déjà vraiment très très conséquent. Mathieu Hauser, Tony, on va le dire. Ouais. Honnêtement, on s'y attendait pas forcément à ce que l'écart soit aussi conséquent. Ouais, mais à moins qu'il soit monstrueux à vélo, il n'a pas grand intérêt à sortir avec 10 secondes d'avance. Là, faut qu'il se relève, faut qu'il prenne son temps, qu'il soit bien concentré à la sortie de l'eau pour réaliser une bonne transition, qu'il attende les autres. Allez, on va regarder où sont les Français. Dorian Connex, voilà, qui a réussi sa natation, c'est bien. Pierre Lecor, juste derrière, 9e. Et donc dans ce gros paquet, ce gros groupe qui est en train de sortir au fur et à mesure. Ah, toujours pas de Vincent Louis. On vous le cache pas, on est en train de regarder où est Fabien Vincent. Fabien Gomez qui sort un peu plus loin, mais bon, c'est très compact. Mario Mola aussi. Ouais, il sort devant Vincent. Léo Bergère qui a bien nagé, finalement. Et Vincent qui était très loin dans ce groupe. Ah voilà, allez, Tom Bishop hein, qui est l'anglais le mieux capé aujourd'hui. Fernando Alarza qu'on a vu aussi, lui c'est celui qui est en tête de ce championnat du monde et qui était un petit peu en retrait également. Donc là on va sans Luis qui part avec Fernando Alarza, le numéro 1 mondial. Donc on va assister à une course de vélo là, ma chère Claire, hein, je vous le dis là, parce qu'il n'y a aucun écart. Sauf avec Hauser qui est devant. À moins que les quelques mètres qui séparent quelques groupes soient déterminants, mais là je pense que chacun est capable de faire un gros effort pour prendre les roues. En tout cas ça va déjà très très vite derrière, on voit que on essaie de créer des petits groupes. Voilà, on cherche l'aspiration de la moto derrière pour revenir sur Hauser le plus vite possible. Et puis surtout, enfin c'est pas le fait de rentrer sur Hauser qui est déterminant, c'est de creuser l'écart sur les derrière. Donc Dorian Connex hein, qui a fait un gros travail en vélo de tout l'hiver là, prend les commandes du groupe de chasse. Lui qui a fini 4e de cette étape il y a 2 ans, champion du monde junior, champion du monde espoir, un des grands talents du triathlon. Et vous voyez, il y a quand même un petit écart là hein. Oui, ils sont en train de se détacher ces trois là et peut-être même de revenir sur l'Australien. Ah, ça va rentrer sur l'Australien, c'est sûr. Non, est-ce que partir à 3, 4 comme ça, sans l'appui de gros cyclistes, on va dire, parce que bon, on a Schomburg, Dorian et Skeumann. Skeumann qui est parti en échappée, qui s'est fait la belle avec Vincent Louis au dernier Grand Prix de Valence et qui s'est fait battre au sprint par Vincent. Skeumann a l'habitude de rouler en échappée. Il ne faut pas laisser trop de plumes non plus hein, sur le vélo. Oui. Et vous voyez, la densité qu'il y avait à la sortie de l'eau, eh bien, on arrive quand même à avoir des écarts entre les groupes. À la fois par cette transition et aussi directement parce qu'on embraye tout de suite. Tout à fait. 21 km, c'est très très court. Toutes ces distances, les trois, sont très très courtes. Pas de temps mort, pas de repos. Et là, il n'y a vraiment pas de temps mort. Hein. Et de la stratégie. Alors, c'est un Néo-Zélandais qui roule derrière. Suivi d'un Russe. Alors, on voit Vincent qui rentre à l'intérieur. Celui-là, il est quand même conséquent de groupe, hein, quand même. Ouais, mais regardez, derrière, ils sont pas rentrés. Hein. Oui. Mais c'est ça, il y a une grosse différence entre ceux qui sont à l'avant de ce groupe et à l'arrière. Là, par contre, ça va rentrer. Oui, et ce qu'il faut préciser également, c'est qu'on sort de 10 minutes d'effort au préalable, là, où on a carrément le goût du sang dans la bouche, hein, parce que c'est vraiment un travail, un effort lactique hein, qu'il a fallu produire. Donc, direct, il faut embrayer sur le vélo, C'est plus qu'intense, hein. On voit que les Australiens sont bien représentés là, avec leur maillot jaune. Donc la jonction est en train de se produire. Dorian devrait peut-être
pas se relever, mais laisser faire des relais un peu plus courts. Encore faut-il avoir la lucidité de se retourner et puis de constater que derrière ça rentre. Mais enfin, en même temps, il faut prendre du temps sur le gros peloton qui est un peu plus derrière. Dorian Coninx, oui, que vous avez juste là en première position, qui lui fait bien des gestes conséquents hein, pour demander les relais, les passages de relais. Derrière, c'est Henri Chonoine. Alors Dorian est en position triathlète, mais il n'a pas les prolongateurs, me semble-t-il. Donc ça peut être dangereux, hein. Faut pas prendre un nid de poule, hein, sinon. Oh là, il y a un gros groupement là. Ouais. Je pense qu'ils sont 30-40, non, Tony, quelque chose comme ça. Ah bah, à mon avis, il y a quarantaine, cinquantaine. Ouais, hein. Ouais. Oh oui, facilement. Très impressionnante cette vue là. Je vous disais que cette étape est la plus relevée du circuit. Tout le monde est là, hormis Alistair Brownlee, mais c'est normal puisqu'il a fait le choix de ne pas courir les WTS. Johatan a déclaré forfait il y a quelques jours pour des problèmes de santé, un taux en magnésium apparemment un peu trop bas. Et voilà, ça attaque. Donc là, c'est Ben Canouté, oui, le champion du monde de Team Relais l'année dernière, qui avait fait grosse impression sur le vélo, autant sur le sprint que sur le Team Relais. Team Relais hein, qui signifie relais mixte, qui est l'épreuve de demain. Il y a un petit écart déjà, mais on va essayer de recoller tout de suite. Et ouais, là, c'est la partie dont on vous parlait, si vous nous avez suivi pour les filles, cette partie qui fait à peine 3 mètres de large, qu'il faut très très bien négocier. Surtout, ben là, c'est très compliqué de dépasser. Et donc, plus on est en tête, plus c'est facile d'essayer de faire l'écart, peut-être dans cette partie. Ouais, ouais. Là, c'est Jacob Biertwissel, hein, oui, le licencié à Valence Triathlon. Il porte un casque assez bizarre d'ailleurs. Le regroupement va peut-être se faire quand même sur la ligne. Ouais, en fait, on va avoir droit à beaucoup d'escarmouches, hein, mais derrière, du coup, ça. Oulala, oh la chute. Et là, on va c'est un espagnol, voir les dégâts. Quel espagnol que... C'est Alarza qui est tombé avec, ouais, Pierre Lecor. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Le français Pierre Lecor et Alarza, en effet, qui est en tête pour l'instant. Hein, Azerbaïdjan. Qui est là. Ah là là là, Alarza, le numéro 1 mondial. Alors que va faire Pierre? Ah bah c'est fini pour Alarza, ouais, le vélo est... En termes de mécanique, ça ne marche plus. Par contre, on ne voit pas Pierre, en effet, où est-il? Ça a l'air plus compliqué pour Petsov. Ah, c'est fini pour Alarza, on rappelle quand même qu'il est en tête de ce classement. Il saigne à la main, on voit la chute au ralenti, pas au ralenti, mais... Et c'est lui qui tombe en premier, hein, l'Espagnol. Ouais, et en fait, c'est un Hongrois, il me semble, qui a mis un coup d'épaule à... Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Ah, on voit bien Pierre, là. Aïe, aïe, aïe. Ouais, qui a vu venir le poteau, hein, le pauvre Pierre, là. Aïe, aïe, il tombait sur la boîte. On l'a pas vu après au niveau des images, on aimerait bien savoir s'il est reparti. Ah ouais, c'est un Hongrois qui a fait tomber Alarza. Ouais, en effet. Ah ouais, là, c'est... Quel dépit. Et Alarza qui peut être déçu. On le voit le coude abîmé. Deuxième à Yokohama. Troisième à Leeds. Troisième en Australie aussi. Et qui abandonne donc sous les applaudissements du public. Ouais, très nombreux, c'est évidemment les risques quand on est dans un groupe aussi conséquent à vélo, puis, sur des parties aussi serrées, on l'avait dit, Tony. Hein. Ouais, et puis c'est de la moquette bleue, hein. C'est l'adhérence est moindre, même si là on a c'est un coup d'épaule. Hein. Alors dans les pelotons, faut se faire sa place. Alors, j'ai l'impression que ça a calmé tout le monde là. D'ailleurs, on va peut-être en profiter pour donner des nouvelles de Cassandre Beaugrand, la française, que vous avez vu chuter certainement sur la course des féminines tout à l'heure, par votre intermédiaire, Tony. On a eu quelques nouvelles et c'est vrai que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est passée sur l'estrade et que visiblement, avec la moto qui est passée devant, il y a les planches qui se sont soulevées et qui ont donc fait tomber Cassandre, qui est aux urgences actuellement. Alors, déjà, on espère évidemment pour son état de santé que ça va aller mieux et très très vite pour la jeune Cassandre. Puis il y a l'autre problématique, c'est pour demain, il y a ce relais mixte, Tony. Qu'est-ce qui va advenir justement pour cette compétition? Eh ben, je pense qu'ils ont les coachs ont appelé
une féminine en renfort, donc sûrement une fille de Montpellier. Elle va prendre l'avion dès ce soir. Moi je pense qu'elle a forcément des vols. Hein. Et puis bah, elle va courir un peu comme un peu demain. Sans avoir été prévenue. Donc aussi bien elle s'est fait une grosse séance hier, ou ce matin même. Elle s'est fait 200 km de vélo ce matin. Elle va pas être fraîche. Non mais ça sera aussi une condition qui déterminera le choix de cette remplaçante. Ah oui, parce que là il faut absolument faire venir une coéquipière, hein, sinon c'est le relais qui peut pas partir. Qui pourra pas ouais. Parce que Cassandre est la seule féminine, ouais. En tout cas alignée ici. Pas la seule, il y a également Émilie Maurier qui attend son tour demain. Voilà. Voilà. Ouais. Sur cette course-là, c'était la seule à être alignée. Il n'y avait pas de solution de secours. Voilà. Donc à prévoir pour la prochaine fois. En tout cas, on adresse toutes nos pensées à Cassandre en espérant qu'elle se rétablisse très vite. Alors, on va regarder justement à Larzan tout à l'heure qui est tombé. Et on me confirme en régie parce qu'on a essayé d'étudier tout ça, qu'il a bien été poussé, visiblement volontairement. Non, pas volontairement. Mais en tout cas par un coup assez. Regardez, à mon avis, il y a eu encore un trou dans le parcours. À mon avis, il y a eu encore un trou là sur le parcours. Ce qu'on va faire, Tony, pour être assez sûr et pour pouvoir peut-être les débriefer, on va les regarder ensemble à nouveau, ces images. Dès qu'on les aura calées, parce que vous le savez, il y a toujours un travail à faire en régie, la régie qui nous écoute et qui nous suit bien. Alors un petit point en attendant sur cette course. C'est toujours un gros paquet, Tony. Un gros paquet, oui. Il fait meilleur être devant, en fait. Hein. On voit Mario Mola qui a bien compris le principe, hein. Il faut être devant pour se protéger des frottements, des chutes. Là où il y a un tour, Fernando Arza du BC Pavillon. On voit Raphaël Montoya. Oui, alors là, les forces en présence françaises, hein. Vincent Louis, Léo Bergère, Raphaël Montoya, Quid, Dorian Connax. Alors le problème c'est que Pierre Lecor est tombé dans la chute. Qui a entraîné Fernando Larza et visiblement il n'est plus dans ce groupe. C'est rageant pour le vice-champion d'Europe distance sprint. Oui, qui était dans une très belle forme. Alors, c'est le ralenti du passage du groupe. Il y a toujours beaucoup de Français. Justus Nischlag à la maison également qui se met devant. Et c'est on board que vous appréciez particulièrement, Tony. Donc là on voit bien en tout cas la distance entre les vélos qui est bien minime. Et voilà Christian Blumenfeld, le Norvégien, toujours à l'avant, qui est très généreux dans la partie cycliste. Jeune Norvégien qui vraiment réalise une jolie saison. On a les images, Tony, on va les regarder à nouveau. Comme ça, après, on aura passé cet incident, mais c'est vrai qu'il est important de voir ce qui s'est passé. Alors, regardons cette chute d'Alarza. Alors, en fait, visiblement, le concurrent est déstabilisé, ouais. Le Hongrois, et donc vient s'appuyer sur lui. Ouais. Mais c'est pas volontaire. Enfin, je veux dire, s'il est déséquilibré, c'est qu'il y a eu un problème. C'est pour ça qu'on regardait peut-être le revêtement, ouais, également. Ouais, ouais. Alors si c'est ça, il y a vraiment quelque chose à faire, puisque Cassandre Beaugrand est tombé à cause du passage de la moto qui, ouais, a décalé deux planches. Ouais. Là, si c'est à cause d'un trou, c'est vraiment rageant. Hein. Y aura-t-il une sanction envers le Hongrois après la chute, nous demande Julien, justement. Ouais, Grosse question. Je ne suis pas le jury, hein, vous savez, les raisonnements des jurys sont toujours souvent différents
souvent de nous. Donc ouais, je sais pas. Si regardez un peu comme c'est dangereux là, avec les cônes. Si s'avère qu'il y avait un trou dans le et que le déséquilibre du Hongrois est justifié, on peut pas le disqualifier. Hein. C'est encore un problème de moquette, un problème d'adhérence. Je ne sais pas, je peux pas répondre. En tout cas, il y aura forcément. C'était pas vraiment une Peter Sagan, parce que Peter Sagan, bon, c'était sur un sprint final. Là, avec Fibon, ouais, c'était quand même beaucoup plus polémique. Puis Marc avait dit juste aller à l'hôpital, etc. Voilà, c'est aussi pour ça que c'est devenu compliqué pour vous rappeler cette affaire. C'est par rapport à la disqualification du champion du monde, évidemment, sur le Tour de France. Voilà l'allusion de Benji. Allez, on retourne à la course en espérant savoir plus sur cet incident. Très rapidement, évidemment, dès qu'on aura les infos. On vous les communiquera. Ou demain aussi, parce qu'on vous rappelle que demain à 14h45, vous nous retrouvez. On voit que ça frotte, hein. Pour ce relais. On voit Vincent Louis qui s'est fait serrer par l'Allemand. Oui. Et Vincent, toujours très très habile, hein, sur le vélo. D'ailleurs, c'est étonnant de le voir au milieu de paquet. Lui qui a l'habitude d'être devant. Ça doit être compliqué de gérer en même temps un groupe aussi gros. Ouais, mais il vaut mieux être devant. Alors là, Blumenfeld compte sur son coéquipier compatriote norvégien qui lui fait. Le pacer qui lui fait l'allure. Ouais. En tout cas, on est mieux devant, hein, ça c'est sûr. Et le groupe de chasse derrière, un petit groupe de chasse d'une dizaine d'unités qui déjà subit pas mal de retard. Et vous mettre devant là, c'est certain. Alors là, en fait, sur les portions un peu plus roulantes et plus larges, la stratégie pour ceux qui sont en milieu de paquet ou derrière, c'est de revenir à l'avant. Mais vu que tout le monde veut le faire, eh ben ça crée des petits embouteillages aux abords des virages. Mais c'est vraiment une guerre de position, hein, puis ça sera encore plus à un tour de l'arrivée. Là, on peut rester en queue de peloton sans trop subir, si on est allé sur le vélo, sans trop subir de changement de rythme. On vous rappelle que ces tours font 3,5 km. Ouais. Et j'ai envie de dire qu'il y a peu de chance pour que ça parte là, hein, pour qu'il y ait une échappée qui se crée. Ça veut dire que. En fait, c'est pas une course. Enfin, tout à l'heure, je disais qu'on allait assister à une course de vélo, mais c'est complètement différent d'une course de vélo puisqu'il n'y a pas de coéquipier. Donc, chacun prend ses responsabilités. Et si. Enfin, chacun roule pour soi, donc du coup, bah, tout le monde roule. S'il y a danger devant, tout le monde roule. Si un Blumenfeld essaye de partir, il aura tout le monde sur son porte-bagages. Hein. Dorian Konax qui est en queue de peloton. Ça temporise quand même beaucoup parce que du coup... À la fois, si on était vraiment très fort, on essaierait de faire un gros tempo et d'essayer de partir. Mais en même temps, le groupe est vraiment, vraiment, vraiment très conséquent. Ouais, mais là, comment vous voulez faire pour partir? Ça roule à 45 km/h. C'est pas possible. Pour partir, faut rouler à 50. Mais qui est capable de rouler à 50 km/h pendant 10 bornes? Tout seul, ou à 2 ou à 3? C'est pas possible. Enfin, c'est une question de puissance. Ouais. Et puis, c'est derrière, si c'est pour courir à 14 km/h, il n'y a pas trop d'intérêt parce que chez les garçons, ça va courir très, très fort. Hein. Ça va courir à moins de 15 minutes au 5000. Rappelons, c'est peut-être l'occasion de parler du double projet de Vincent Louis, hein, qui est au prochain jeu de Tokyo, de doubler sur le triathlon et sur le 5000 mètres piste. Du moins, c'est ce qu'il avait annoncé l'année dernière, dans se qualifier sur 5000 mètres, ce qui suppose de faire beaucoup, beaucoup de courses à pied, pour réaliser déjà les minima qui sont aux alentours de 13 minutes 15. Mais alors que beaucoup sont pessimistes, hein, moi je trouve aussi que la tâche est très ardue. Dorian Konax nous a prouvé en début de saison aux interclubs d'athlétisme, puisqu'il a une licence d'athlétisme à Grenoble, club d'athlétisme de Grenoble, que c'était possible puisqu'il a couru un 3000 mètres tout seul en 8 minutes 12. Hein, ça fait 2,44 au 1000 mètres, 3 fois. 13,15 au 5000, c'est 2,45. Donc voilà, ça peut être possible. Dans une course où on voit Dorian qui s'est fait serrer encore à l'intérieur du virage avec un bras qui est un peu trop gros là, qui subit un peu la relance. Donc voilà, c'est possible, hein, pour Vincent de sur une course où régulière de réaliser ses minima. Dorian l'a fait sur 3000,
Il reste plus que 2000 à faire en plus. Et là, on va droit vers un 5000 mètres qui va être impressionnant. Hein. Et à ce jeu, attention à Mario Mola, attention à Richard Murray, qui sont clairement les deux hommes les plus rapides. Derrière, en outsider, je nommerai Jacob Birtwistle. Il y a forcément Javier Gomez, le quintuple champion du monde, mais qui est un peu juste sur 5000, qui a passé les 30 ans, lui, et qui est beaucoup plus fort sur 10 km. On l'avait vu à Gold Coast subir la loi de Mario Mola. Mario Mola avait été parti sur les 5 km avec dans sa foulée Murray, Gomez et Birtwistle. Et Mola les avait fait tous sauter un par un. Donc là, on est sur l'observation. Le Norvégien là, qui préfère rester devant. Tout comme Mola et Gomez d'ailleurs. Et ça n'a pas l'air simple hein, derrière quand même, hein, parce qu'on voit le coup de pédale du Russe, la Polianski, qui n'est pas réputé pour être un grand cycliste, hein, qui a l'air de subir. Et ce qui est étonnant encore plus, c'est de voir Dorian en queue de peloton. Et là, on va relancer quand même un petit peu en tête de ce groupe, justement. Et l'écrémage ne va certainement pas se faire, en effet, Tony. C'est assez étonnant hein, de voir ce scénario. C'est pas étonnant, hein, puisque je vous dis, hein, ce serait une grosse perte d'énergie que d'essayer de partir. Hein. C'est quand même la cinquième manche de championnat du monde. C'est important de marquer des points. Faut pas non plus aller droit dans le mur en essayant une escarmouche hein, qui va vous pénaliser. Là, vaut mieux rouler comme Mario Mola là sur un rythme élevé. Bon, on peut choisir ses trajectoires. Tout qu'on a déjà vu deux chutes hein, lors de la traversée du parc à vélo. Donc c'est beaucoup plus sûr de l'emprunter en première position. C'est pour ça qu'on se replace. Voilà. Toujours dans cette partie très fine. Alors attention parce qu'en effet c'est là tout à l'heure qu'on a chuté avec l'abandon d'Alarza, avec Pierre Lecor également qui est reparti, qui n'est plus dans les meilleures positions désormais. Vous voyez la composition du groupe qui défile avec toujours des Français dont Vincent Louis. Donc je me permets de vous interrompre Claire parce que j'ai de recevoir un message de du staff français là concernant Cassandre Beaugrand. Donc elle va bien. Le problème c'est qu'elle n'a plus de vélo, le vélo est mort là. Donc le staff s'active pour essayer de lui récupérer un vélo et puis vraisemblablement être capable de courir demain. Voilà les nouvelles à chaud. Les toutes dernières informations. Ça va être. Oui, on va s'activer là. Ça va être une autre course différente ce soir pour le staff de l'équipe de France. On rappelle que demain, il y a un petit souci avec la chaussure là pour Austin. Aussi bien est tombé, il n'arrive pas à recaler. On rappelle que demain, donc, il y a ce relais mixte par équipe. Relais mixte par équipe, hein, je rappelle les distances. 300 mètres de natation, 6 km de vélo et 2 km de course à pied pour chacun des 4 relayeurs mixtes. On commence par une fille, ensuite un garçon et encore une fille et on finit par un garçon. Une épreuve d'1h20 environ qui a vu sacrer les Américains l'année dernière. Les Français ont été champions du monde en 2015 à Hambourg, ici même, lorsque la veille Vincent Louis avait gagné cette étape. Vincent Louis est le seul Français à avoir gagné une étape de WTS. On le voit au premier plan là, à côté de Skeman, qu'il a battu il y a quelques semaines au Grand Prix de Valence, au sprint. On voit Montoya, Raphaël Montoya de Antibes, licencié à Sartrouville, également devant. Ça se replace, ça s'observe. Ça s'observe beaucoup, hein. Beaucoup de mouvements de tête. On est une petite trentaine maintenant. Alors je me demande si l'aubergère est bien là. Hein. Je me demande si. Je pense pas qu'il soit là du coup. Il y aurait donc trois Français, Vincent Louis, Raphaël Montoya et Dorian Conax. Pierre Lecor a subi une chute
et donc rétrogradé dans un autre paquet, certainement en compagnie de Léo Bergère. Et justement parce qu'il y a un petit temps mort, Tony, et parce que eh bien, cette chute a quand même été importante, vous le parliez, elle a impliqué Pierre Lecor. En régie, on nous a fabriqué un petit ralenti justement pour voir ce qui s'était passé, notamment sur, eh bien, sur ce sol. Voilà, il perd l'équilibre, le Hongrois, voilà, il enlève sa main du guidon, ouais, et il s'appuie sur Alarza, qui tombe lui et entraîne dans sa chute Pierre Lecor. Enfin, d'abord, je ne sais pas qui, mais Pierre Lecor ensuite qui va ranger son vélo dans les racks. Bam. Le sol avait l'air parfait de ce point de vue-là, mais évidemment, on peut pas tout voir à ce moment-là. On ne sait pas du tout pourquoi, pour le moment, le Hongrois était déséquilibré. Allez, moins de 5 km maintenant pour cette partie à vélo, et puis on passera à pied. Ah, bah, Pierre qui est tout seul là. Aïe, aïe, aïe. Pierre est vraiment distancé, il doit avoir 2-3 km de retard. Le tout dernier Pierre, en effet, Pierre Lecor, ouais. Coup du sort. Hein. Ouais, c'est malheureux, hein. On se prépare pendant 3 semaines, entre deux courses, hein, pendant 3 semaines pour cette course, pour ce rendez-vous vraiment attendu. Et puis sur une chute, eh ben, on a fait un voyage pour rien. Et surtout, on n'a pas pu observer et contempler la différence de niveau qu'on avait entre les meilleurs et soi-même. Parce que c'est ça aussi, hein, la saison étant longue, on s'entraîne tout seul ou avec son groupe. Et il n'y a que les courses pour voir vraiment où on en est. Donc là, Pierre ne saura pas du tout où il en est aujourd'hui. Là. Beaucoup de frustration, en effet. Ouais. L'Autrichien Olaus qui est devant, qui relance. 3,8 km maintenant. Alors c'est vrai que nous aussi on est dans un temps mort, Tony, on se prépare là pour la course à pied qui va être intense. 5 km sur ce même parcours, deux tours de 2,5 km à faire. Et des Français toujours dans ce groupe. Rien n'est terminé, surtout rien n'est joué du tout, très difficile de dire qui va gagner aujourd'hui. Ah oui, non, il va falloir attendre le premier kilomètre, hein, pour voir se dessiner l'échappée en course à pied. Ça va être un travail d'usure, ça va partir très très vite, d'autant que ça va descendre. À la sortie du parc à vélo, il y a une petite descente pour rejoindre les bords du lac. Allez, la cloche, dernier tour pour ce groupe. Donc 3 km pour se replacer, absolument aux avant-postes. Donc là, ça va vraiment frotter. Hein. Bergère, Coninx, Louis sont encore dans ce donc groupe. Donc Bergère est là, Léo est là, autant pour moi. Mais on a tellement l'habitude de le voir devant. Montoya aussi, ça fait 4. Comme à Abu Dhabi, Léo Bergère avait beaucoup, beaucoup voulu collaborer dans le groupe de tête à Abu Dhabi et avait été un des responsables. De la bonne tenue de l'échappée. Allez, ils sont 23 rendez-vous compte à pouvoir aujourd'hui se disputer la victoire. Il va être intense, hein, ce passage en course à pied. Ça s'observe, il n'y a plus grand monde qui veut mener. Andreas Schilling, le Danois. On commence déjà à se préparer un peu. Ouais. On a pris, généralement, on prend un petit gel avant. Pour faire le plein de glucose. Alors là, cette transition va être déterminante. Et attention, dans le dernier kilomètre, ça va fuser de tous les côtés. Toujours Blumenfeld qui mène, qui préfère rester devant. Attention de ne pas se faire déborder parce que là, il n'y aura aucune amitié. Hein. Il faudra se placer coûte que coûte. Il faudra jouer des coudes. Et heureusement qu'il ne pleut pas, heureusement que la route est sèche. Oui, parce que là, en effet, on est très très nombreux. On a vu, hein, qu'il y a vraiment des parcours, des passages très très resserrés. Donc on voit le Norvégien Blumenfeld qui se prend un relais par son compatriote encore une fois. Donc là, c'est la première fois qu'on voit un travail d'équipe. Il reste 2 km. Il emmène peut-être un peu trop tôt là. Hein. En tout cas, c'est du pain béni pour les autres qui restent dans la roue, qui se laissent emmener et attend gentiment. Il y en a qui décrochent quand même, vous voyez, de ce groupe. Non, parce que il y a le virage juste avant. Là, c'est un des derniers moments où les garçons vont pouvoir remonter. Par contre, l'Espagnol, là, il est un peu loin. Hein. C'est ce que je vous dis. Ouais, vous avez raison. Vincent Louis, là qu'on a vu
plein milieu de paquet là, qui était un petit peu en danseuse. Ouais, et on fait confiance à Vincent hein, pour ses qualités techniques hein, pour se positionner tout de suite aux avant-postes. Il aime frotter. Et là par contre c'est compliqué, c'est même impossible de passer. C'est Kuhn sur la droite pour essayer de faire leur place. Regardez Mario Mola. Il sent le vent venir. Dernière ligne droite sur laquelle on peut déborder. Je le dis, mais les triathlètes le savent. Là, c'est maintenant ou jamais. Schumann qu'il faut faire l'effort. Et Mola en tête. Là, Dossard 2 pour Mola, 5 pour Schumann, le Sud-Africain au casque jaune. Et l'effort est en train d'être fait. Pourquoi je suis des mains comme ça? Parce que ça va être très intense, Tony, c'est sûr. On l'attend maintenant, ce passage-là. On va quitter le vélo, on va passer à pied. Et il reste surtout un kilomètre encore. Allez, dernière ligne droite. Enfin, dernier aller-retour avant le passage technique. Il reste un kilomètre, un peu plus d'un kilomètre. Jacob Birtwistle prend le relais de Mario Mola. Ce sont les favoris. Hein. Les favoris sont, je rappelle, Mola, Birtwistle. Non, sur les deux premières positions, ouais, il y a également Murray, mais Murray on l'a pas trop vu. Henri Skeman également. Attention qui est au virage. Tout va bien. On rappelle qu'il y a beaucoup de virages comme ça, de demi-tours qu'on fait sur ce circuit, que c'est une vraie particularité. J'avais noté que vous aviez dit Murray. Je ne l'oublie pas. Ça. Mais Murray qui a communiqué sur Twitter là qu'il avait été enrhumé toute la semaine. Lui aussi il était à fond romeux, donc aussi bien il a fait frais. Voilà, maintenant les places sont faites, là on ne pourra plus dépasser. Hein. Et dans cette partie si serrée. Et les chaussures sont prêtes évidemment. Attention, là ça va compter. Cette transition va énormément compter. La combinaison qui est hors du box, du box, de la box. Ça give. L'Israélien qui est toujours en tête. Mario Mola. Et le Norvégien nous fait une très très bonne impression aussi, hein. Il est toujours là. Ouais, et vous allez voir la carrure. Hein. Ah bah ça se voit déjà. Il est très costaud et on se dit déjà que pour lui le triathlon c'est fini lorsqu'il pose le vélo. Et absolument pas. Il est impressionnant en course à pied. Ah, une perte de chaussures là-bas. Allez c'est parti. Et c'est là que ça devient très intense. Michelag, l'Allemand, a premier à enfiler ses chaussures. Il va partir certainement en tête. Il est chez lui, il est un peu gêné par les cyclistes qui courent à côté de leur vélo. Allez, faut aller vite là. Ah, Mola qui a raté sa transition. Hein. Ouais, il part loin en effet. Mario Mola. Il va partir avec Vincent Louis. Champion du monde en titre. Dorian. Montoya. Allez, on va faire un point sur la tête. Oui, tout est bien dans le casier, c'est certain. Et en effet, l'Allemagne en tête. D'où les applaudissements, d'où les cris que vous entendez. Et on est parti. Et là, il va falloir s'accrocher. Il ne faut pas laisser d'écart, là. Ouais. Moi, je mettrais bien une petite pièce sur Jacob Birtwistle, hein, puisqu'il a un bon petit gap d'avance, là. C'est-à-dire qu'il peut, gérer ce premier kilomètre, ne pas rentrer en phase lactique. J'allais dire rester dans la foulée de l'Allemand, mais non. Il veut durcir la course. Il passe en tête, en effet. Derrière, ce qu'il est en train de faire. J'aperçois également Mola. Ryan Sisson, le néo-z qui a réalisé le meilleur temps course à pied. Et les Français qui s'accrochent, Louis et Bergère là, qui sont dans le bon groupe à la queue. On a trois Français de ce dans le groupe, top 15. Mais Raphaël Montoya, un peu plus loin, mais qui pourra compter sur de très bonnes capacités en course à pied. Regardez Mario Mola qui va dépasser tout le monde par la gauche. Ah, il est en train de revenir clairement dans le jeu. Mola que vous voyez à votre droite. Et Birtwistle toujours en tête, qui fait mal aux jambes là. Il a enclenché l'Australien. L'Allemand qui est toujours là. Ouais, et Murray qui n'est pas là. Hein. Je me rends compte ça se trouve, il n'a même pas hésité dans ce peloton. On s'en est pas rendu compte tellement ils étaient nombreux. Mais là il y a un mano à mano entre l'hémisphère sud et l'Europe. Birtwistle et Sisson. Je disais que Sisson avait réalisé le meilleur temps au Grand Prix de Valence, le meilleur temps course à pied. Lui aussi est arrivé de Nouvelle-Zélande il y a 3 jours et s'est acclimaté dans la Drôme quelques jours avant le Grand Prix de Valence.
Et en parlant de la Drôme, et ben Bert Whistle, hein, licencié à Valence, est en train de monter en puissance là. Hein. Foulée très puissante. Je me répète, mais en tout cas, le 4 garçons qui est en train de creuser l'écart, oui, avec la petite surprise Adrien Briffaut, le Suisse, quatrième position, qui revient d'une victoire en Coupe du Monde il y a quelques semaines. En tout cas, Mola, il a vraiment choisi de prendre les choses en main. Vous l'aviez dit, le relais peut-être avait été, la transition entre ce passage vélo, course à pied, avait peut-être été difficilement négociée par l'Espagnol. Et là, il est en train de d'imposer son tempo. Voilà, ouais. L'Australien, ça se retourne. Qui suit, mais... Hey, le retour de Javier Gomez. Hein. Eh oui, c'est pas parce qu'on a 32 ans qu'on est moins rapide finalement. Je me contredis. Et Gomez fait... Et il est en train de bien revenir en tout, ouais, cas. Vous le voyez là sur la gauche de l'écran. Vous allez le voir peut-être un petit peu, voilà. Et Vincent également. Hein. Vincent Louis qui est bien là aussi, ouais, à gauche. Ben oui. On envoie des messages à la famille. Hein. Ben oui, pour rassurer. Il y a une telle décharge d'énergie et puis d'adrénaline que là, on a envie de se laisser aller, de reprendre les petites habitudes du quotidien. Et Mola qui attaque. Hein. Ah ouais, il y va là. Il lâche rien du tout, l'Espagnol. On rappelle qu'il est le champion du monde en titre et surtout qu'il s'est imposé déjà ici sur ce circuit l'année dernière. C'est son circuit presque, Tony. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. C'est clairement le meilleur coureur à pied, hein, du circuit. Complètement impressionnant là. Et là, et Gomez, Bert Whistle est en train de subir un petit peu là ce premier kilomètre. Il est peut-être parti un peu vite. Je vais vous donner une anecdote. Hein. La première fois que j'ai fait Hambourg, la première fois que j'ai fait cette course à Hambourg en 2006 ou 2007, les clameurs du public étaient assourdissantes et je m'entendais pas respirer. Et du coup, sur le premier kilomètre, je suis allé beaucoup trop vite. Et un kilomètre plus loin, lorsqu'il y a beaucoup moins de public, et ben on se prend un gros coup de bambou. Et c'est une chose à savoir, ça fait partie de l'expérience, qu'il faut savoir temporiser lorsque le public est complètement fou. En tout cas, là, pour l'instant, ce qui rend fou la course, ce sont les Espagnols. Et oui, le duel est Espagne. Pour l'instant, c'est pas un duel. Hein. Pour l'instant, Mola est quand même clairement devant. Ah, Gomez fait un bon retour en tout, ouais, cas. Et Ryan Sisson qui est là également. Hein. Fait plaisir à voir Ryan. Ah, je lui ai fait découvrir. Je suis un peu chauvin. Hein. Je lui ai fait découvrir ma région, les collines. Vous avez le droit d'être chauvin totalement, surtout que c'est une superbe région. Ouais, il y a toujours une très bonne entente entre la Nouvelle-Zélande et la France. Le fait d'avoir Laurent Vidal s'expatrier tous les ans 6 mois en Nouvelle-Zélande, ça a créé forcément des liens et du coup il y a toujours de la coopération. Allez Vincent Louis, regardez dans le petit groupe derrière qui va essayer de recoller. Là, il y a 3 Français, hein, dans ce groupe. Ouais. Alors, pour l'instant on n'est pas sur le podium mais on se bat pour accrocher. Et oui, Vincent, hein, qui est en 5e position là, hein, et dans sa foulée Dorian Coninx et Léo Bergère. Léo Bergère qui réalise une très très bonne course à pied, du moins une très bonne entame. Mario Mola qui pour l'instant tient toujours la cadence et Gomez qui lâche pas quand même derrière. Alors faudrait pas que Mola commence à s'effondrer parce que Gomez il a quand même l'air sur la pente ascendante. Hein. Ouais, et puis il est fort sur la durée en fait. Donc aussi bien au bout de 3 km il va se refaire la cerise et il va être capable de revenir. Mais bon, Mario Mola là visiblement est beaucoup de fréquence, beaucoup de rythme. Et le néo-zélandais. Et Gomez a mis du temps, n'a pas fait beaucoup de courses ces derniers temps. Hein. Lui qui avait l'habitude de faire 15 courses par an, là il en est à 3, 4. Et il a passé un gros bloc de travail chez lui en Galice. C'est un gros changement quand même. Hein. Ouais. Mais ça a l'air de marcher, puisque courir à ce niveau. Radia Gomez, c'est le vainqueur de, ah, si, regardez, de la première manche à Abu Dhabi. Hein. Pardon, je vous ai coupé. Non, allez-y. Richard Murray est bien là. Il a raté sa transition, mais là il est revenu à hauteur de Vincent Louis. Ah oui, on le voit juste devant le trio de Français même. Ouais. Coninx, Louis et Bergère. Je rappelle, hein, Dorian Coninx qui a couru 8 minutes 12 aux 3000 mètres aux Interclubs, tout seul autour d'une piste, tout seul. Et vous voyez à quel niveau il est relégué. Regardez ce qu'est en train de faire Sisson là justement, il est en train d'essayer de passer devant Gomez. Il prend le relais en fait, et il se relaye. Et c'est normal, on essaie d'aller chercher l'Espagnol, ah, qui, oui, est devant.
aller chercher, puis surtout creuser derrière. On sait qu'il y a des clients derrière. Hein. Ça, les carrés, creuse, hein. Les carrés fer. Un magnifique Mario Mola. Alors, on est dans le dernier tour. Ça serait intéressant de savoir les temps à la fin de l'épreuve, le temps sec sur ce 5000 mètres. Chaque fédération apporte avec elle une roulette et mesure le circuit course à pied pour ensuite envoyer les temps aux entraîneurs. Mais là, c'est Mario Mola va courir moins de 14 minutes 20 là, sur ce 5000 avec le vélo et la natation dans les jambes. Hein. C'est clair. Rien d'étonnant en tout cas à le retrouver là parce qu'il s'était aussi imposé cette année à Gold Coast en Australie, là où justement eh bien c'est le seul triathlon court qu'on a couru sur une distance S cette année, en tout cas sur ce championnat du monde. En clair, il est totalement constant et pour l'instant c'est bien le meilleur dans cette discipline. Allez les Français. Allez, un gros gabarit de Blumenfeld mais qui s'en laisse pas compter un puisqu'il mène devant le vice-champion de France de cross country de l'année dernière. Vincent, elle finit sur la boîte. Au France de Cross Country derrière Hassan Chadi et devant Mourad Hamdouni, donc deux membres de l'équipe de France de Cross. Hassan Chadi qui a réalisé cette année, on peut dire de bêtises, mais moins de 2h10 au marathon de Paris. 2h11, je peux te dire des bêtises. La foulée de Mario Mola en tout cas. Parfaite. Et ces Français qui courent presque en équipe là en fait, Tony. Ouais, mais là il y a. C'est dur hein. Ah, en même temps, ils sont pas très loin finalement hein, de Gomez, presque en train de recoller. Alors évidemment, cette vue-là écrase un peu, et surtout il reste moins de deux bornes, mais on s'accroche. Ah là, mais ça va être incroyable, ça va être le Fast and Furious, dernier 1500 mètres, le dernier mile va être terrible pour les accessites. Gomez et Sisson vont-ils résister au retour de Murray? Murray qui avait fini. Qui avait été disqualifié l'année dernière. Il était au coude à coude avec Mola jusqu'à la ligne d'arrivée, enfin jusqu'au 100 dernier mètre, mais il avait dû s'arrêter à cause d'une pénalité. Il avait mis son bonnet ou ses lunettes dans une autre boîte et avait dû subir 10 secondes d'arrêt. C'est un manque de lucidité. Et s'était fait 10. Non, bah, il s'était arrêté quand même. Il s'était arrêté, bon, ça arrive. Hein. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire, j'en ai pris des pénalités à cause de ça, je peux vous dire. J'en ai des anecdotes. Bref, mais il s'était fait disqualifier parce qu'il avait fait un bras d'honneur au jury, parce qu'il n'avait pas accepté cette pénalité, alors que ça avait été filmé. Il avait été disqualifié et il avait eu une grosse amende. La nervosité. Donc au lieu de toucher 12 000 dollars, il avait dû en débourser 2 000, un truc comme ça. C'est nerveux, ces courses, c'est normal. Ah, et oui, et forcément, on le comprend là, ce sont des bêtes sauvages, hein, les athlètes. Hein. Bien sûr. Ils sont remplis d'adrénaline. Intensité. En tout cas, le podium semble se dessiner. Il se retourne. Murray ne semble pas revenir. Ouais, le trou a été fait. Il y a toujours les Français hein, derrière, on le rappelle. Murray est derrière, regardez le trio. Ouais, Vincent qui accélère quand même un petit peu. Ah ouais, il a l'air de bien relancer. Hein. Bien, oui. On est à 1 km 200 de l'arrivée. Eh oui, Vincent, il a le classement des championnats du monde à jouer. Hein. Il est bien placé, lui qui a fini sur le podium à Abu Dhabi, 3e, 10e à Leeds. Il faut absolument qu'il rentre dans le top 5 là, pour scorer. Il est 8e au classement général. Là. Donc là, c'est le top 5 se dessine hein, sur le classement mondial. Ouais. En tout cas, Mola est vraiment au-dessus du lot. Hein. Ah là, clairement. Murray et Mola s'entraînent ensemble. Mais Vincent est en train de revenir sur Murray, ça écrase un peu encore, on le rappelle cette vue. Ça écrase, mais il embarque dans sa foulée 4 autres gros sprinteurs. Ouais. Je ne souhaite à personne arriver au sprint avec Jacob Bertwissel. Ah. C'est ce que Vincent se dit, vous croyez? Ouais, mais Vincent est très fort aussi, hein. Il a gagné son dernier sprint sur sprint. C'est un athlète très puissant. Dorian également, mais voilà, je vous dis pas le final. Ça va être très très tendu. Hein. Allez, on a passé le dernier kilomètre, la barre des derniers kilomètres presque. Et donc Mario Mola. Voilà, c'est une petite côte là, hein. C'est une petite côte à. On le sent même pas, hein. Si on le regarde, on sent. Ouais, si, ça monte, ça monte et ça casse. Et là, du coup, ça va redescendre. Ah, Mola doit être rassuré puisque, ah oui. Regardez un peu là, comme il peut dérouler la foulée. Complètement impressionnant, vraiment. Et Gomez qui est toujours derrière pour l'instant. Là, c'est la médaille d'argent qui va se jouer entre Gomez et Sisson. Mais derrière, il y a encore Murray. Et les Français, dont Vincent Louis qui a accéléré. Ils sont tous au rupteur. Hein. Il y a 2 secondes qui séparent les uns des autres. Et il ne faut pas craquer. Ils n'arrivent pas à faire
Murray est en chasse-patate entre deux groupes, il n'arrive pas à rentrer sur le néo-z et l'espagnol. Et puis là mentalement, si jamais derrière on revient, ça va être difficile pour Murray. Allez, on y est presque sur cette ligne d'arrivée. Et Ryan Sisson qui a gagné son dernier sprint également sur la Coupe du Monde de Madrid et qui l'a remporté face à Rafael Montoya il y a plusieurs semaines avant de repartir en Nouvelle-Zélande. Il avait coché l'étape de Madrid, la Coupe du Monde. Il est en train de regarder, il est en train peut-être de lâcher Gomez là au train. Et attention si Gomez se fait lâcher, il y a Bert Whistle. Attention à Bert Whistle également sur le dernier 800 mètres. Regardez! Ça grimace vraiment du côté de Gomez. Là, il est en train de lui faire mal aux jambes en accélérant le néo-zélandais. Il le sait que c'est la médaille d'argent qu'il est en train d'aller chercher. Il accélère encore. Pierre Twissel est capable de courir le dernier 400 mètres en moins d'une minute. Hein. Regardez le retour qu'il fait. Ah, il est en train de va aller chercher Gomez, la médaille, je vous le dis. Oh, c'est dur là. C'est dur pour l'Espagnol. Très dur pour l'Espagnol. Et vous nous aviez prévenu, Tony. Attention à lui. En attendant, il y en a un qui va aller décrocher l'or. C'est lui. Mario Mola qui est parti. Allez, il n'y a quasiment plus rien maintenant pour lui à parcourir. Il le sait, c'est bon, il ne va pas s'effondrer. Il va aller s'imposer ici à Hambourg sur cette manche, la cinquième des championnats du monde 2017. Ah là là, regardez ça un peu. Incroyable. Et c'est pas fini, hein, Sisson pour encore accélérer. Alors, rappelons que Bert Whistle s'était fait souffler la troisième place l'année dernière au sprint parce qu'il s'était relevé trop tôt. Attention, c'est peut-être l'argent là qui est en train d'aller chercher l'Australien. Bert Whistle qui est en train de carrément le dépasser. Il en avait gardé sous la pédale. Il s'est sprinté et sur une longue distance. Allez, Mario Mola qui en profite pour serrer les mains, c'est fait. On n'oublie pas la banderole. Victoire de Mario Mola ici. Mais on va vite tourner la caméra. Oh là, quel finish, un sprint de 500 mètres qui nous c'est a fait. C'est fait, incroyable. Quel retour de l'Australien. Bert Whistle, deuxième. Oh, beau retour de Vincent, quatrième, superbe. Sisson, troisième et Vincent Louis, en effet. Et Dorian. Qui sprint aussi. Et trois Français dans le top 10, superbe course à pied de Léo Bergère. Qui arrive, qui va juste passer la ligne maintenant. Voilà, pour le Français. On va quand même saluer du côté de Mario Mola. C'est la troisième victoire en championnat du monde pour lui cette saison. Et derrière, ça sprint encore Pereira, avec Montoya, le Pereira, français notamment. Le double champion d'Europe qui rebat au sprint Montoya, qui l'avait battu aux Europes là, cette année. L'arrivée des petits groupes, on finit au sprint. Ah, défaillance pour Skeman. Lui qui était en Sierra Nevada, il a peut-être pas digéré sa redescente en altitude. Incroyable course en tout cas de Mario Mola. Ah oui, de tous. Hein. Là, chapeau bas, là c'est un 5 mm incroyable, hein. 54 minutes, donc 5 minutes de moins que sur le parcours des filles. Mais j'ai hâte de voir les temps sur le 5 mm. Ouais. Sajid qui était bien présent sur la course à vélo, qui s'est un peu effondré à pied. Un petit clin d'œil quand même au classement général pour vous dire que si Mario Mola a gagné, il empoche donc 800 points, ouais, c'est ça, et qu'il repasse. Il va passer en tête, forcément. Devant Alarza qui a abandonné sur chute tout à l'heure. Et oui, Ryan, regardez le petit élevé sur la poitrine de Ryan qui signifie Laurent Vidal. Je parlais de la coopération, de l'amitié plutôt franco-néo-zélandaise. Voilà. Allez Tony, on va donner rendez-vous demain. Même groupe, hein. Pardon, je vous ai coupé. je m'arrête plus. Mais c'est normal, c'est l'enthousiasme. Et vous aurez le même demain justement pour le relais mixte par équipe que j'ai hâte de commenter avec vous. Ça va être génial. Et on espère que vous serez devant votre écran avec nous. Allez, voilà, on vous le rappelle un petit peu. Donc la quatrième place quand même devant Saint Louis. Très jolie place avec Dorian Coninx qui est sixième, Léo Bergère. Ça fait trois Français dans le top 10. Ça promet pour demain, ça, non? On l'espère. Pour le relais, on va prendre sûrement Vincent Louis et Dorian Coninx. Hein. Cassandre, on croise les doigts si elle est remise. Et Émilie Morier. Exactement. À demain. Merci Tony. À demain. Merci.